Et bonjour tout le monde, Soximoz, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft les amis. Et aujourd'hui il y a eu quelque chose de terrible, c'est tout simplement la grue qui a continué de s'effondrer. Et là elle s'est totalement écrasée sur toute ma maison, la piscine elle est percée, toute la grue a tout défoncé, je suis dégoûté les amis. Mais bon, on va voir comment on va pouvoir réparer ça aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire les amis, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous le dis, c'est très important parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de compte YouTube et tout. Sachez que ça prend 5 minutes à faire et c'est totalement gratuit, que ça soit de se créer un compte et de s'abonner, ça prend un clic. C'est vraiment, voilà, et c'est aussi gratuit. Donc n'hésitez pas les amis, ça permet de me soutenir. Et merci beaucoup à tous ceux qui font tous les jours la petite manip de mettre un petit commentaire, mettre un petit pouce bleu. C'est très important pour moi. Donc là, c'est voilà, je vous le demande souvent, je sais, mais voilà, faut que ça devienne un mécanisme. À chaque fois vous mettez un petit pouce bleu et après vous mettez un petit commentaire, ça fait plaisir. Bref les amis, l'heure est grave. La dernière fois la grue a été un peu penchée, mais c'était de notre faute en fait, parce qu'on avait creusé sous le mec, dans le sous-sol de chez le voisin. Et du coup bah il y avait la grue au dessus, hop elle a basculé et c'est tombé quoi. Genre c'est tombé, je suis dégoûté. Donc alors je vais vous montrer un petit peu les dégâts. Donc là, ça a carrément soulevé les planches en bois. Ça a soulevé le toit de la maison. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors bon, ça c'est peut-être, je sais pas qui prépare ça. C'est peut-être, je sais pas, peut-être Valou qui a ramené ça pour tester un truc. J'en ai aucune idée. Mais voilà, en tout cas, bah là la grue elle a fait un gros trou dans mon sous-sol. Et c'est passé sur la piscine. Ah, je croyais qu'elle était percée la piscine. Ah si, oui, c'est ce que je me disais. Ouais, il y a des fuites. Ok, il y a une fuite d'eau. Bon, bah voilà, c'est exactement ce que je voulais pas. Bref. Et là, il y a un avion, je sais pas pourquoi. Je vous dis, les amis, il se passe de plus en plus de trucs bizarres dans cette ville. Plus la ville se construit, plus il y a d'habitants qui commencent à venir. Et plus ma maison, ça commence à être n'importe quoi. En plus, vous savez, vous avez vu la dernière fois, en plus, il y avait des enfants qui avaient trouvé mon adresse. Et du coup, c'est n'importe quoi. Mon adresse, elle a fuité de partout, là, j'en peux plus. Donc, bon, écoutez, on verra plus tard, je pense, pour réparer tout ça, parce que là j'ai plus la foi en l'humanité là. Genre j'ai plus envie de reconstruire ça, c'est trop, il y a trop de construction, je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être appeler des abonnés. Bah d'ailleurs dites-moi les amis en commentaire si vous voulez venir rebuild la maison, parce que moi j'en peux plus de la rebuild. Voilà. Donc voilà, c'était pour la grue. Donc l'avion, ouais pareil, bah, au pire s'il a personne je le revends, hein. Je vais le revendre, comme ça, ça c'est bon, j'en ai ma claque. Mec, tu penses que c'est là? Bah normalement, c'est ce que me dit la carte. Ok, bah on va voir ça. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Qui est chez moi? Ah, hey, qu'est-ce que vous faites là? Oh non, mais c'est le gars de la dernière fois. Mais non, mais on cherche des trésors. C'est hardcore. Ouais, on sait que c'est là. Oui, c'est ça. Tu cherches un trésor? Ouais, et il y en a un dans ta maison là. Ouais, il y en a un. Mais il n'y a pas de trésor dans ma maison. Ouais, non, il y a... Ça mène dans ta maison. Ça mène dans ma maison? Non, je crois pas. C'est quoi ce délire encore? Toi, t'es venu une fois pour m'espionner, puis après pour me demander un autographe, puis après t'es revenu, on sait pas pourquoi, et tu nous as aidé. Mais pourquoi tu fais que de venir devant chez moi? Faut que t'arrêtes toi et arrête de ramener des gens. T'es qui toi? Moi je suis un chercheur de trésors, regarde, j'ai des lunettes, je suis un professionnel. Mais y'a pas de trésor ici, s'il y avait un trésor je le saurais. Y'a une carte, la carte nous mène jusqu'à chez toi, donc forcément y'a un trésor chez toi. Y'a pas de trésor. Tiens, regarde. Je te dis, y'a un trésor. Alors... juste là. Ici, je le sens là avec mon flair. Y'en a un là. Ah, vers là, attends. Vers là. Vers là? Comme ça. Je suis pas sûr, il y a pas de trésor là. En dessous, il y a le kebab. Alors, il y a le kebab de mon pote Bertrand. Sinon, c'était peut-être ça que je sentais avec mon flair. Oui, c'est peut-être ça que tu sentais avec ton flair, ouais. Il y a pas de trésor ici. Je vois pas de quoi vous parlez les gars. Genre là, vous pouvez fouiller, si vous voulez, vous pouvez fouiller partout, on fait un partage des gains même. Hein. Mais il y a pas de trésor, hein, je vous le garantis. Votre carte, elle indique où exactement? Bah précisément ici. Ici? Mais ici, il n'y a rien, j'ai coulé une dalle en béton, il n'y a pas de trésor. J'ai creusé avant pour faire les fondations. Il n'y a pas de trésor, les gars, j'aurais trouvé. Ah bah oui, il y a un trésor, là, c'est sûr. Et
Qui vous dit qu'il y a un trésor? Qui vous a dit ça? C'est quoi? Elle vient d'où cette carte? On l'a trouvée dans les documents de la ville. Dans les documents de la ville? Et c'est quoi? C'est un gros trésor? C'est un petit trésor? Ah, oh, un gros. Il est énorme. C'est un énorme trésor. Un énorme. Les gars, je pense que ça, vous êtes trompés d'adresse. Toi déjà, tu commences à m'énerver parce que t'es là tous les jours. T'es le pire abonné que j'ai eu. T'es invasif. Tu viens toquer chez moi tous les jours. Un jour c'est pour m'aider, l'autre jour c'est pour amener tes potes, un autre jour c'est un trésor. Demain ça va être quoi? Demain c'est tu vas chercher ta grand-mère, tu te seras trompé d'adresse, tu seras venu chez moi. Pour une bonne raison, il y a vraiment un trésor en dessous là, ça se voit. Mais non, allez, dégagez les mioches. Enfin, excusez-moi, non, je vais pas vous appeler comme ça. Non, oui, bon, c'est faut partir là, c'est fini. Moi, je suis pas là pour faire joujou. Il y a pas de trésor ici. Donc allez, c'est parti. Allez, on dégage. Allez, allez. Allez, zou. Et vous avez plus le droit de rentrer. Mettez plus les pieds chez moi. Il y a pas de trésor. Allez, allez. Dépêchez-vous. De toute façon, ça serait s'il y avait un trésor ici. Allez faire vos... Avec les documents de la ville. Ouais, les documents de la ville. Allez faire vos trucs ailleurs, là. Allez, zou. Bon, les amis. Je sais pas ce qu'ils me disent. Je sais pas pourquoi ils sont à fond sur un trésor. À ce qui paraît, il y a un trésor là. Bon, je leur ai un peu menti. J'ai pas trop regardé en dessous, mais en vrai, il y a peut-être un trésor. Hein, parce que moi, j'ai besoin d'argent pour reconstruire la maison. Eh, mais imaginez, il y a un trésor. Imaginez, il y a un trésor de ouf. Attendez, mais est-ce que ça serait pas le moment de casser, de faire un trou? Attendez, je regarde s'ils sont pas dans les parages encore. Parce que les connaissant, surtout connaissant l'autre là, qui fait que de venir tous les jours, je regarde s'ils sont pas dans les parages. Ah, s'ils sont là. Hey, j'ai dit quoi? Bougez de là! Allez, allez, zou, zou, zou! Le trésor! Non, il n'y a pas de trésor! Mais si, il y a un trésor! Non, il n'y a pas de trésor! Bon, les amis. Les amis. Du coup, je vais creuser quand même, on sait jamais, hein, ça se trouve, il y a un truc. Imaginez, il y a un truc. Mais ici, je sais pas. Il n'y a rien, regardez, il n'y a rien, il y a de la terre! Mais c'est normal qu'il y a de la terre ici! C'est normal! C'est normal, mais parce que c'est y a pas de trésor. Oh, c'est une grotte. Oh, je suis tombé. Ouais, je suis dans une grotte quoi. C'est ils ont juste détecté une. Oh, what? Il y a vraiment un trésor. Il y a une grotte aussi. Elle est hyper grande. Les amis, il y a vraiment un trésor. Oh, ok. Oh la dinguerie. Mais attendez, il y en a pour des millions d'euros là. Il y a de l'or et tout. Il y a quelque chose dans le coffre. Ah non, il a peut-être été déjà pillé. Bah, mal pillé en tout cas. Ouah, regardez ça, il y a toutes les pièces d'or. Ouah, mais les amis, mais comment est-ce qu'ils savaient ça, les mioches là? Comment est-ce qu'ils savaient ça? Les documents de la ville. Attendez, je pense, je vais peut-être remonter. Je vais aller les voir, ils sont peut-être encore sous le tunnel. Je vais leur demander si... Je vais leur demander pour voir c'est quoi ces fameux documents là. Parce que... Attendez. Parce que là, il y a vraiment un trésor. Bon, à mon avis, il a l'air d'être bien gardé. Je crois qu'il n'y a personne ici. Ok. Je suis le seul. De toute façon, c'est chez moi. Hein. Le trésor, il est chez moi. C'est chez moi. Ok. On va remonter par là. Voilà. Comme si de rien n'était. On va aller voir dans le tunnel. on bluffe. Hein. On fait comme s'il n'y avait rien. Alors. Ah. Hé. Eh les petits, c'est où vous les avez eu vos documents là? Les documents de la ville, c'est... Faites voir un peu. Information classée secret défense. Secret défense quoi? Vraiment. Et vous en avez d'autres? Non. Parce que je vous avoue un truc, c'est que moi j'ai creusé, j'ai rien trouvé. Et j'aimerais bien trouver des trésors avec vous les gars. Genre j'aimerais bien. Non? On peut en rechercher, on a juste à s'infiltrer dans... La banque de la vie, dans la mairie de la ville, pardon. Et vous avez déjà trouvé des trésors ou pas? Pas encore. Pas justement, encore. C'était notre premier. Ah, bah ouais, bah c'est le premier, bah c'est y a pas de trésor en vrai. Hein. J'ai vu, y a pas de trésor. Bon bah au pire, vous me dites si vous avez une autre mission. Moi, je suis là. En plus, j'ai des outils, j'ai un tractopelle pour creuser. Ok. Allez, salut les gars, salut. Bye. Ouais, salut. Bon, les amis. À ce qui paraît, il y a d'autres endroits avec des trésors dans la ville. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient d'où? C'est des trésors de pirates d'il y a 500 ans quand il n'y avait personne sur l'île ou quoi?
C'est dinguerie quand même. En plus, sous ma maison, j'ai eu de la chance. En plus, j'avais déjà... C'est pas la première fois que je trouve des trésors dans les RP, mais là... Là, il y a un truc. En plus, il y a un long tunnel au bout. On va pas y retourner, les amis. On y retournera la prochaine fois. Et vous savez quoi? La prochaine fois, je vais essayer de partir en mission avec les jeunes, là. Essayer de leur dégoter des papiers de la ville pour voir s'il n'y a pas d'autres trésors. Franchement, il y a... Waouh. Franchement, je suis choqué, hein. J'ai pas les mots. Je me dis, attends, mais ça se trouve, il y a 10 autres documents et ils sont tous vrais comme ça. C'est un truc de fou. Les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Il y a un trésor sous ma maison. Rien que pour ça, là, vous bombardez les likes. C'est un truc de dingue. Et on essaiera de trouver d'autres trésors. Et on ira voir ce qu'il y a au bout du tunnel aussi. Parce que peut-être qu'il mène à tous les autres trésors de la ville. On sait pas. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'il mène. Donc voilà, les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymos pour vous servir. Allez, ciao, ciao.